Le bon mindset et le bon workflow, selon moi, pour passer de la compo au mixage, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je suis coach MAO, j'enseigne la production musicale pour créer des morceaux de A jusqu'à Z, également le mix DJ et tout ce qui tourne autour de la musique électronique. Et donc là, dans cette vidéo, on va démystifier un petit peu les deux grandes étapes que sont la composition d'un morceau, donc ça veut dire trouver les bons éléments, faire l'arrangement, faire en sorte que le morceau sonne bien, déjà, et ensuite, la grande étape du mixage qui consiste donc finalement à optimiser les pistes instrumentales pour que ça sonne mieux, pour que le morceau puisse être bien entendu de la bonne façon entre des différents systèmes d'écoute comme des enceintes, des écouteurs ou des casques. Donc pour beaucoup de gens, ces deux phases sont complètement dissociées pour la simple raison que tout ce qu'il y a à la compo, c'est principalement lié à des aspects artistiques, et tout ce qui est lié à la phase de mixage, c'est plutôt lié à de l'ingénierie sonore, bien qu'on trouve aussi des aspects artistiques dans l'ingénierie sonore, hein, dans la phase de mixage, pour certaines décisions, hein, mettre des traitements, des effets, etc. Et en phase de compo, il y a également des choses qui sont techniques, notamment pour ce qui est du sound design. Alors beaucoup d'artistes, et j'en ai fait partie pendant longtemps, pensent que tout va se jouer en mixage, c'est-à-dire qu'on va faire les aspects artistiques en compo très bien et qu'on peut un petit peu laisser aller certains aspects, certains affinages en se disant que de toute façon en mixage, on va pouvoir corriger, rattraper ça. Ça peut être des erreurs de volume, des erreurs de son qui vont pas forcément très bien ensemble, etc. On a souvent tendance à magnifier, si tu veux, la phase de mixage, et encore plus si on ne le fait pas nous-mêmes, si on délègue à un ingénieur de mixage. Alors pour moi, c'est une erreur capitale. À ce jour, j'ai dû créer et donc composer et mixer plus de 130 morceaux, donc j'ai un petit peu de recul en fait pour justement comprendre et te partager que en fait ces deux étapes ne sont pas dissociées, bien que le mixage soit un métier à part entière puisque c'est pour un ingénieur de mixage et que la compo ça regroupe un ou plusieurs métiers, donc compositeur, arrangeur, etc. En réalité, dans la phase de compo, il y a déjà des éléments de mixage et c'est ce qu'on va voir plus en détail. Je te donne un exemple, en compo, tu gères déjà par exemple la balance des volumes. C'est quelque chose qu'on va refaire de toute façon en phase de mixage à un niveau plus affiné, mais dès que tu composes, tu gères déjà les volumes. Par exemple, le volume du kick par rapport au volume de la basse, tu veux qu'il soit déjà bien réglé pour avoir un rendu qui soit parlant et qui soit assez pertinent. Pareil pour les autres éléments, les drums par exemple, les synthés, etc. Tu veux que tout ça, ça match déjà, même si c'est pas encore parfait, t'es déjà en train de faire du mixage, en train de mélanger des pistes instrumentales les unes par rapport aux autres. Tu peux également appliquer certains traitements, ça peut être des traitements de dynamique comme de la compression ou autre qui vont être particulièrement audibles, donc tu peux le faire en compo, tu peux le faire en sound design, de la même manière qu'on va le faire en mixage, sauf qu'en mixage, ce sera beaucoup plus précis et on aura plus de recul sur ce qu'on fait. Selon moi, c'est comme ça que je travaille maintenant. Quand tu es en compo, quand tu as terminé la compo, il faut que ça sonne quasiment comme un master. Alors je dirais quasiment comme un master, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'équilibre des fréquences est très bien réglé, la balance des volumes, etc., tout ça c'est bien réglé. La grosse différence par rapport à un master, c'est qu'en termes de loudness, c'est-à-dire de volume perçu, de densité de volume, si tu veux, ça va être différent puisque ça c'est quelque chose qu'on va étalonner à la toute fin du mastering. Mais au-delà de ça, tu veux que ton morceau sonne très très bien et que quelqu'un qui ne soit pas un expert de l'audio puisse se dire bah tiens ton morceau il est bien, il est terminé, alors qu'en fait non, il est même pas encore passé en mixage. Pour moi c'est la bonne façon de faire et ça implique de faire le maximum de choses, de traitement, de peaufinage dès la phase de compo. Alors, cette approche, elle a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ça va te rapprocher le plus tôt possible du rendu final, en tout cas le plus proche possible du rendu final, alors que tu es encore en compo, ce qui veut dire que quand tu vas passer à la vraie étape du mixage, dans une session à part dédiée au mixage, eh bien, tu vas juste faire de l'affinage, tu vas optimiser des petites choses à droite à gauche pour que l'ensemble sonne mieux, mais tu ne vas pas modifier la compo du tout au tout et tu ne vas pas espérer qu'en mixage, ça va rattraper des erreurs que tu as faites en compo, des erreurs par exemple, je sais pas, des éléments qui sont mal choisis, des choses qui ne sonnent pas bien ensemble, des fautes de goût ou des choses comme ça. Il ne faut surtout pas compter là-dessus et donc du coup, ça veut dire que le mixage, ça va être juste peut-être 10%, allez 10-15%, c'est de cet ordre-là, d'affinage par rapport à ce que tu as fait en compo, mais ta compo, elle doit déjà sonner de manière tellement magnifique, tellement bien faite, tellement déjà bien peaufinée, que en fait, on pourrait se dire, elle est quasiment déjà finie.
Le problème de ça que tu peux rencontrer, que je rencontre moi aussi très souvent, hein, c'est que bah, quand tu arrives à la fin de ta session de compo, eh bien, c'est probable que ton ordinateur rame énormément, puisque si tu applique déjà certains traitements de typiquement qu'on va appliquer en mixage dès la phase de compo. Je pense à des compresseurs, des EQ, etc. Et bien, à force de multiplier tous ces traitements, ces automations, et bien, ça va alourdir ta session. Maintenant, ça dépend aussi bien sûr de ton environnement, de la puissance de ton ordinateur, de ta façon de travailler, puisqu'il y a certaines techniques qui permettent d'alléger les ressources de ton ordinateur. Mais globalement, la démarche que je te recommande, c'est d'aller dans cette direction-là. Là, ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est pour les gens qui sont motivés, c'est pas forcément pour les débutants, bien que si tu es débutant, tu peux t'imprégner de ce mindset, de cet état d'esprit, pour pouvoir tendre vers cette façon de faire. Mais si tu es débutant, tu ne connais peut-être pas encore le mixage, tu n'as peut-être pas encore terminé de compo, ou si tu as un niveau déjà plus avancé, tu as déjà terminé des morceaux, mais que tu souhaites aller plus loin dans le mixage ou dans la réalisation de tes morceaux pour faire toujours mieux ou être plus productif, j'ai préparé un d'accompagnement qui dure 6 mois, qui est intensif. Alors, c'est pas pour tout le monde, c'est pour les gens qui veulent vraiment se donner à fond et qui veulent passer à un niveau supérieur en production musicale. Ça dure 6 mois intensifs avec un suivi quotidien, avec du coaching individuel, avec des formations étape par étape. Et pour te présenter la méthodologie qui va te permettre de créer jusqu'à 4 morceaux en 6 mois, même si tu débutes, avec cet accompagnement, eh bien, je t'ai préparé un guide qui est complètement offert. Ça s'appelle le guide MAO Mastery. Je te mets un lien dans l'inscription si tu veux le découvrir maintenant. Maintenant que je t'ai partagé dans les grandes lignes le mindset et le workflow, c'est-à-dire l'état d'esprit et l'organisation de travail qui te permet, selon moi, de travailler de manière optimale, tu peux te poser la question des choses que tu peux anticiper quand tu es en phase de compo pour mieux amener le mixage qui viendra par la suite. Tu peux déjà appliquer des traitements aux pistes individuelles, des traitements de dynamique par exemple, on en a parlé tout à l'heure, la compression, peut-être des limiteurs, tu peux jouer comme ça en fait avec des maximizers, etc. en fonction du contexte. En tout cas, tu peux déjà t'occuper de corriger la dynamique avant même de passer en phase de mixage. Tu peux ajouter des traitements qui vont être plus de l'ordre artistique, ça va être par exemple des reverbs, des delays, des choses comme ça, des chorus et autres. Donc tout ça va être plutôt lié à l'artistique, étant donné que ça sera clairement audible par un auditeur. On n'est pas dans de l'affinage typiquement en phase de mixage, là on est plutôt dans quelque chose qui va rendre le morceau plus joli, la compo plus sympa. Tu vas pouvoir aussi jouer avec des mouvements pour rendre ton morceau plus vivant, plus organique, c'est-à-dire tu vas utiliser des automations, donc tu vas enregistrer des mouvements qui vont peut-être faire des balayages gauche-droite si tu veux jouer avec la panoramique, qui peuvent monter ou descendre certains effets à un moment donné pour ne pas les laisser de manière constante, de manière linéaire. Tu peux appliquer pas mal de choses en fait comme ça pour vraiment, c'est ça en fait, rendre ton morceau plus vivant, plus intéressant, plus organique. Il y a un truc dont on parle souvent sur Internet et que, à mon avis, c'est pas assez clair pour beaucoup de gens, c'est tout ce qui est lié au sidechain, en tout cas tout ce qui est lié au fait de clarifier ce qui se passe à un moment donné dans une interaction entre deux ou plusieurs éléments. Par exemple, quand le kick frappe et que tu as aussi une ligne de basse, eh bien la ligne de basse, tu vas peut-être vouloir couper son volume au moment exact où le kick frappe, et lorsque le kick commence à redescendre en volume, là faire remonter la basse de manière à ce qu'on ait l'un ou l'autre de manière non pas en même temps qu'il soit superposé, ce qui crée des conflits, ce qui peut créer des conflits dans les fréquences et augmenter par exemple le volume, mais tu veux les faire jouer l'un après l'autre, ou en tout cas que leur volume se complète, que le volume par exemple de la ligne de basse vienne épouser le volume du kick quand il a fini de s'exprimer. Donc c'est l'un après l'autre par exemple. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on peut faire avec un sidechain. Il y a plein de techniques pour faire des effets de sidechain, on appelle ça aussi du ducking quand il s'agit de baisser le volume à un moment donné et de le faire remonter comme ça. Tu peux le faire avec de l'automation, avec du vrai sidechain, c'est-à-dire à partir d'un signal qui rentre comment dire, dans un plugin. Le sidechain, tu peux le faire sur du volume, mais tu peux le faire sur un EQ, tu peux le faire sur un compresseur, sur pas mal de choses. En gros, ce que je veux dire, c'est que ces mouvements-là et ces techniques qui te permettent de clarifier l'interaction entre plusieurs éléments. Beaucoup de gens vont se dire on va le faire en mixage ou je vais compter sur l'ingénieur de mix pour le faire ça. Non, non, fais-le dès le sound design, fais-le dès l'arrangement, encore une fois, de manière à avoir le plus vite possible le rendu le plus proche possible de la version finale du morceau.
Alors, quand tu as vu tout ça, maintenant tu peux te dire, ok, très bien, mais si on fait tout en compo, c'est génial ta façon de faire, Yann, mais on fait quoi en mixage du coup? Alors, en mixage, déjà, encore une fois, tu vas affiner avec un niveau de précision supérieur tout ce que tu as pu faire avant. On parle de balance des volumes, on parle par exemple de corriger la dynamique à un niveau plus affiné. Hein. Quand je dis corriger, c'est vraiment plus chirurgical. Tu vas travailler tous ces traitements comme ça en contexte, c'est-à-dire les pistes les unes par rapport aux autres. Et tu peux aussi faire du traitement sur des bus groupés. Donc tu vas pouvoir faire passer plusieurs instruments dans un même bus et faire un traitement commun dans un bus, par exemple un bus de drums qui va s'appliquer à une snare, à une, je sais pas, un clap, un hi-hat, etc. Alors tu vas me dire, ouais, mais ça on peut le faire en compo aussi. Il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, maintenant, dans mon workflow, et ça n'engage que moi, je ne fais plus de bus groupés en compo. Ça peut paraître surprenant. Les bus groupés, je vais les traiter en mixage, mais en compo, je préfère ne plus avoir du tout de bus groupés. Maintenant, tu peux très bien en utiliser de la compo, il n'y a aucun souci. Hein. Encore une fois, chacun travaille à sa façon. Moi, je trouve ça beaucoup plus efficient de bosser de cette manière, mais c'est parce qu'il y a une logique autour de tout ça, hein, de toute cette manière de faire. Mais en tout cas, en phase de mixage, tu vas pouvoir appliquer des traitements communs sur des pistes en bus. Et enfin, en mixage, tu vas pouvoir ajouter un ou plusieurs traitements globaux que tu n'auras pas forcément appliqué déjà en phase de compo. Et là, je pense notamment à de la reverb, pas de la reverb individuelle sur un instrument, mais de la reverb vraiment d'ambiance en fait, hein, pour créer une spatialisation bien précise. Si tu veux, par exemple, répliquer le fait d'être dans une certaine pièce, dans une cathédrale ou autre, ce genre d'espace en fait, si tu veux, tu vas pouvoir l'appliquer quand tu seras en contexte de mixage, une fois que tu auras fait le traitement, par exemple, sur toutes les pistes individuelles ou les pistes groupées et que tu auras déjà la balance qui sera déjà bien précise, là tu peux ajouter une reverb qui va pas non plus venir noyer tout le reste dedans, tu pourras vraiment la régler au millimètre près en fonction de tout ce qui a déjà été fait au préalable. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Là, je t'ai partagé des choses que j'ai pris des années et des années à comprendre, à tester, à mettre en pratique. J'espère vraiment que tu apprécies ce contenu. Pense à mettre un pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne avec la cloche pour voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt. Ciao.